de la Uzi de chez Well, la D91 Sport, donc dans sa boîte d'origine. C'est une réplique assez costaud. Les petites mains devront se méfier parce que la poignée est assez épaisse. Donc la partie chargeur en fait contient les batteries et on recharge la réplique par le dessus. Donc là j'ai bien chargé un billet. Donc c'est un volet avec un réservoir sur le dessus. Voilà comment se représente la réplique. Avant l'introduction du chargeur, où se trouvent les batteries d'intérieur, donc bien sûr la partie connectique, la partie des batteries. Il faut penser à bien positionner au fond les connecteurs, introduire l'ensemble et aller jusqu'au clic du poussoir de sécurité. Une fois que c'est dedans, soit la sécurité, soit on tire, on pousse. Sécurité, on ne peut pas tirer. Donc le système de chargement, c'est par le dessus. Et la crosse, pour déplier la crosse, on tire dessus. En position, tirer, déplier. Et pour la refermer, on écarte les deux côtés. On plie un et l'autre. Et on remet l'ensemble dans sa position repliée pour l'utilisation en tir replié. On se replie avec donc le petit volet pour charger les billets à l'intérieur, le système de visée, donc très simple. Par contre, on peut pratiquement pas mettre une lunette ou quoi que ce soit là-dessus, ou alors il faut faire du bricolage. Donc voilà. Pour retirer donc la batterie, c'est pas compliqué, on appuie sur ce bouton là et on tire vers l'arrière, ce qui libère la batterie. Donc voilà. Donc pour le tir, c'est une particularité de cette réplique avec le P90, c'est qu'il faut en fait faire tomber un peu les billes en arrière qui descendent ensuite dans la partie du tir, enfin l'alimentation du tir. Donc de temps en temps, il faut penser à basculer en arrière pour que les billes tombent vers la partie tir. Donc d'origine, la réplique est vendue avec donc dans sa boîte d'origine avec sa batterie, son faux chargeur batterie, un sachet de billes, une sangle et la tigette de nettoyage du canon en cas de blocage de billes dans le canon. Voilà. À remarquer qu'il n'est pas vendu le paire de lunettes avec, comme ça se fait souvent sur d'autres équipes. Sur celui-là, il n'y a pas de paire de lunettes. Le chargeur est ici, normalement il y est. Je l'ai mis sur une prise pour charger. Donc voilà. Je vais faire un petit essai de tir. Donc pour le tir,